Dieu, viens à mon aide. Louez la beauté
de l'Épître aux Galates. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme. Il a été sujet de la loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la loi et pour faire de nous des fils. Marie retenait toutes ces paroles et les méditait dans son cœur. Bénissons notre Dieu. Il a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse la mère de son Fils. Pour ton humble servante, attentive à ta parole, modèle du cœur qui écoute. Béni sois-tu, Seigneur, éternellement. Pour celle qui a mis pour ton Fils au monde, la mère de l'homme nouveau. Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus, présence maternelle dans l'Église. Béni sois-tu, Seigneur, éternellement. Pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix,
force des accablés. Béni sois-tu, Seigneur, éternel pour celle que tu as remplie de joie au matin de Pâques, espérance des vivants. Pour celle que tu as fait monter au ciel, près de ton Fils, secours des mourants. Béni sois-tu, Seigneur, éternellement. Notre Père, prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.